Sonnerie pour espérer. Le d'hier des Jacobins. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Nous sommes heureux de vous accueillir pour prendre part à cette sonnerie pour espérer. Nous, c'est-à-dire le frère Renaud Silly. Bonjour. Le frère Éric Paulet. Bonjour. Et moi-même, Emmanuel Perrier. Aujourd'hui, deuxième page de notre d'hier, nous sommes le 20 mars, troisième vendredi du carême de l'an 2020 après le Christ. Hier, nous avions écouté Dieu nous parler par la voix du prophète Isaïe au chapitre 28. Isaïe nous décrivait des élites religieuses en pleine ébriété, échappant à leurs responsabilités dans les beuveries et les festins, titubant entre des tables souillées par leurs vomissements, prenant des décisions ou prononçant des jugements à tort et à travers, guidés par la cupidité et le mensonge. Isaïe annonçait leur effondrement prochain, que mille périls allaient les assaillir et les détruire, et qu'ils recevraient ainsi le châtiment divin mérité par leur conduite. Dans ce tableau effroyable, nous avions reconnu le chemin du vain espoir qui conduit à la perte. L'homme refuse l'espérance qui lui est offerte par Dieu de s'enivrer des biens du ciel, de laisser sa raison être irriguée par la sagesse divine qui excède toute raison et tout désir. Aussi, l'homme ne pouvant plus apaiser son désir, se tourne-t-il vers des ivresses qui l'abrutissent au lieu de le ravir, vers des paradis artificiels qui l'avilissent et le délivrent du souci de diriger sa vie selon sa raison et sa liberté. Ces drogues aux multiples formes, qui vont des alcools forts à l'héroïne, de la consommation frénétique aux fêtes continuelles, des espoirs placés dans la technique à tous les comportements addictifs, ces drogues donc sont incapables de rassasier, sinon pour le petit moment d'abrutissement qu'elles procurent. Il faut rapprocher les prises, il faut augmenter les doses, jusqu'à l'effondrement final. L'alternative laissée par le prophète est donc claire, soit l'espérance en Dieu où l'homme trouve son accomplissement, soit la fuite dans les vains espoirs où l'homme se déshumanise fatalement. Les sociétés qui cultivent les vains espoirs sont ainsi promises à l'écroulement comme une bulle financière qui gonfle par la déraison et qui éclate pour s'être enivrée avec du vide, avec un argent qui n'est que fausse monnaie. Mais il est temps de passer à la suite de ce texte pour voir la clé de l'oracle d'Isaïe. Du livre d'Isaïe, chapitre 28e, selon le grec. C'est pourquoi écoutez la parole du Seigneur, homme en proie à la tribulation, chef du peuple qui est à Jérusalem. Parce que vous avez dit, nous avons fait alliance avec l'Hadès, un contrat avec la mort. La tourmente, quand elle s'abattra, ne viendra certainement pas sur nous. Nous avons établi que le mensonge serait notre espoir. Nous nous abriterons dans le mensonge. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Voici, je jette au fondement de Sion une pierre précieuse, choisie, angulaire, glorieuse. Et celui qui se confie en elle ne sera pas confondu. Je ferai de la justice votre espérance, de mon aumône les montants de vos portes. Et vous, qui vous êtes confiés dans le mensonge, qu'elle ne s'abattrait pas sur vous la tourmente, et que l'on supprime et que l'on ne supprimerait pas votre alliance avec la mort, que l'espoir que vous mettez en Hadès ne demeure pas. La tourmente, quand elle s'abattra, si elle ne vient pas sur vous, vous serez, pour elle, bon à piétiner. Quand elle passera, elle vous emportera. Tôt, très tôt, elle passera le jour, la nuit sera un espoir mauvais. Apprenez à écouter. Invitation donc à écouter le prophète, à écouter l'avertissement de Dieu,
Mais cet avertissement, en fait, il nous présente toujours cette ambivalence, ce choix, cette alternative hein, entre d'un côté les conséquences du vain espoir et puis de l'autre l'espérance dans la justice de Dieu. Et on voit ici que le prophète essaye de, a une vision véritablement cosmique de ce qu'est l'espérance ou le chemin de l'espérance ou le chemin du vain espoir. Frère Renaud. Oui, une première chose à remarquer dans cet oracle, donc, qui est la suite immédiate de celui que nous avons lu hier, c'est eh bien, la formule « parce que vous avez dit, nous avons fait alliance avec l'Hadès, un contrat avec la mort. » Et ensuite, Dieu statue « vous serez bon pour cette tourmente, à piétiner, quand elle passera, elle vous emportera. » Ça, c'est un élément tout à fait caractéristique des oracles d'Isaïe et aussi du prophète Amos, à savoir que lorsque l'on énonce un châtiment, il est toujours motivé. C'est-à-dire que Dieu agit comme un juge qui commence par motiver la sentence avant de la prononcer. C'est-à-dire qu'il ne détermine jamais les choses de façon arbitraire, mais toujours en dégageant les raisons qui conduisent à cette conclusion. C'est admirablement illustré par le prophète Amos, qui, lui, commence carrément son livre là-dessus, par des oracles contre les nations. Je vous en cite un, par exemple, contre Tyr. À cause des rébellions de Tyr, parce que Tyr a livré des déportés en masse à Édom, sans avoir gardé la mémoire de l'alliance entre frères, je mettrai le feu aux murailles de Tyr. Alors en fait, c'est ici, lorsque Dieu prononce ses oracles aux nations, il motive à partir de la loi naturelle. C'est-à-dire qu'il y a en quelque sorte une cohérence des choses qui, si elle est transgressée, amène nécessairement des conséquences néfastes. Et lorsque Dieu annonce de tels châtiments à Israël, il le motive en général à partir de la loi de Moïse. Donc tous les hommes sont laissés avec une certaine loi. Les païens, enfin, plutôt les nations, il faudrait dire, dans le cadre des prophètes de l'Ancien Testament, ont une loi naturelle, et Israël a une loi révélée, la loi donnée par Dieu sur le mont Sinaï. Et c'est pas un hasard si ce type de pensée extrêmement rigoureuse et très rationnelle, quand on y songe, apparaît dans des oracles contre les nations, dans lequel Dieu montre qu'il est le juge universel, qu'il tient toute sa création dans sa main et que sa création est cohérente, logique, raisonnable, faite en sagesse. Et lorsque cette sagesse est transgressée, eh bien, il y a en quelque sorte des conséquences néfastes qui s'en suivent. Alors ça rejoint tout à fait ce qu'on a, en fait, on a vu hier les conséquences finalement individuelles. On a surtout insisté sur les conséquences individuelles. Le vain espoir, c'est comme une drogue, puisque on refuse l'espérance, on se conduit soi-même vers un abandon et un abrutissement progressif où on abandonne progressivement la raison parce qu'on ne veut pas de l'espérance de Dieu. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, cette lente décrépitude, ce qui amène comme ça vers la perte, c'est une loi générale de l'univers, c'est-à-dire que l'univers ne peut pas échapper à la main de Dieu, qui en a fixé la fermeté, qui a fixé les lois selon lesquelles cet univers est dirigé. Et le fait de ne pas accepter l'espérance en Dieu, c'est aussi le fait de ne pas accepter les lois de cet univers. Et donc, renier l'espérance, c'est aussi avoir les conséquences, supporter les conséquences de ce qu'on n'a pas voulu vivre selon ce qu'on devait. Hein. L'homme était quand même, c'est pas simplement un objet de choix. L'homme, il a à vivre comme ça. S'il ne vit pas dans l'espérance, en réalité, c'est là où il va s'effondrer, parce que l'univers est fait comme ça. C'est un peu ça, non ? Mais oui, au sens où cette création faite par Dieu, elle est bien finalisée
par un bien commun, à la fois pour Dieu qui est de manifester sa propre gloire et pour ses créatures d'arriver jusqu'à leur état de plénitude. Et il y a un chemin qui y mène et qui est eh bien, en fait, montré par Dieu. Hein. Et c'est là la notion de loi, loi naturelle, voilà. Simplement, cette loi se décline de tout un tas de manières différentes. Chez les pères de l'Église, on dirait même que la loi nouvelle, c'est l'Esprit Saint, carrément, au sens où il est ce dynamisme intérieur qui attire les êtres vers leur plénitude. Mais simplement, à toutes les étapes, la loi signifie la règle qui mesure le développement de la potentialité. Si on ne suit pas cette mesure, qui est fondée en sagesse, ben nécessairement, on tombe dans la mort. Alors c'est là où on retrouve en fait cette insistance, pourquoi vivre selon la raison est essentiel, puisque en fait, c'est par notre raison que nous connaissons cette loi. Hein. Celui qui s'abrutit, celui qui part dans l'ébriété, en même temps qu'il va s'abrutir, il va aussi perdre les points de repère pour guider sa vie, pour guider son jugement, pour savoir comment dans ce monde il faut agir pour avancer vers cette plénitude. Et le refus de la raison, c'est finalement le refus de bien discerner, le refus de bien savoir guider sa vie. Et ce qui vaut d'ailleurs au plan individuel, vaut aussi au plan des sociétés, hein, tel que, puisque les prophètes vont adresser des oracles non seulement aux individus, aux personnes, mais aussi aux sociétés en tant que telles. Hein. Alors, frère Emmanuel, j'aurais pour toi une question quand même, parce que je trouve que cette notion d'alliance avec la mort est très obscure. Comment est-ce que l'on peut faire alliance avec la mort, alors que, déjà dans la Bible, l'alliance est une initiative divine? Qu'est-ce qui conduit ces hommes qu'est-ce qu'on peut appeler alliance avec la mort? C'est-à-dire, est-ce que nous sommes dans le cadre des pactes avec le diable, des légendes antiques, un petit peu mythologiques? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai l'impression que... parce que la notion essentielle ici, c'est cette notion d'alliance qui, pour un juif, pour un prophète, est absolument structurante de tout. L'alliance avec Dieu, c'est la racine de tout le reste. Donc, en fait, cette expression « alliance avec la mort », elle apparaît d'une force exceptionnelle si on considère que, en fait, refuser l'alliance avec Dieu, ou plus exactement, le fait de se détourner de l'alliance avec Dieu parce qu'on ne veut pas exercer sa raison, c'est en fait une alliance avec la mort, dans la mesure où le refus de Dieu va conduire nécessairement, c'est ça le châtiment, c'est de manière juste, de manière qui s'impose à chacun, refuser l'alliance avec Dieu, c'est de quelque manière faire alliance avec la mort. Alors, c'est vrai que saint Thomas cite ce texte quand il parle tous les mages, tous les diseurs de bonne aventure, tous ceux qui font de la magie et qui font de la magie en invoquant les démons. Et il dit « invoquer un démon, c'est cela qui vous place sous la suggestion du démon. Vous êtes dans la suggestion du démon puisque vous vous soumettez à lui en l'invoquant. » Et donc, vous l'invoquez comme un seigneur, alors que le vrai seigneur est Dieu. Et Thomas cite à ce moment-là ce texte d'Isaïe en disant « cette manière d'invoquer le démon, c'est véritablement un pacte avec la mort. » Oui. Oui. Alors, je me demande, même si on ne pourrait pas... Le texte dit explicitement « Dieu n'accuse pas d'avoir fait alliance avec l'Hadès, mais Dieu dit « Vous avez dit... » Nous avons fait alliance. Comme s'il était possible pour un humain de faire alliance avec l'Hadès, avec la mort, alors que, par notre nature, il y a peut-être déjà quelque chose qui est compromis, d'une certaine façon, ce qu'on appelle le péché, avec la mort, avec le mal. Mais
Ce sur quoi le texte, je crois, pointe le doigt, c'est les hommes peuvent croire qu'ils peuvent avoir un certain contrat rationnel avec l'Hadès et avec la mort. Je ne sais pas ce que tu en penses, frère Renaud, comme bibliste. Moi, en pensant, en voyant cette expression quand même très étrange, je pense à un passage d'Henri Jeanmaire dans un livre fort remarquable d'ailleurs, qui s'appelle « Le culte de Dionysos », et qui il montre que l'Hadès, dans les cultures antiques, c'est certes le séjour des morts, ce que l'on appelle aussi les enfers dans la mythologie latine, mais c'est aussi le réservoir des forces de la vie. Puisqu'en fait, dans cette conception cyclique du monde, les vivants sont les futurs morts, qui sont eux-mêmes les futurs vivants. Et donc, en quelque sorte, le monde des vivants ne cesse de puiser cette énergie vitale qui est comme cantonnée dans les enfers. Et du coup, ça pourrait ici faire référence à une conception cyclique de la nature, c'est-à-dire faire alliance avec l'Hadès, c'est-à-dire chercher les ressources non surnaturelles qui permettent d'entretenir la vie. De la même manière, si vous voulez, ça correspond aussi à une expérience quasiment empirique. Dans les cultures agraires, quand on plante des graines, eh bien, celles-ci tirent leur subsistance du sol, qui lui-même est nourri de la multitude des morts qui sont venus l'enrichir. On met le fumier ou le compost. Exactement. Hein, voilà, le compost sert à faire pousser la vie nouvelle. Ouais. Voilà. Et donc, conclure un pacte avec l'Hadès, ce serait en fait chercher sa vie dans cette destruction qui produit une nouvelle, c'est ça, un nouveau retour. La destruction créatrice, comme on l'a dit aujourd'hui, n'est-ce pas, dans l'économie, je crois. Voilà. C'est ça. Mais du coup, on voit bien ce que ça a de solidaire avec une conception cyclique en fait, de la nature, dans lequel il n'y a pas stricto sensu de surnaturel. Hein. Il n'y a qu'un divin cosmique qui se régénère en permanence dans ce cycle de la vie et de la mort, symbolisé par la descente et la renaissance d'Adonis, l'hiver et le printemps. Voyez. Et une note de la Tobe dit que nous avons fait alliance avec la mort pourrait être une divinité agraire cananéenne, qui porterait ce nom de Maut, c'est-à-dire la mort en hébreu. En hébreu et en français, c'est presque le même mot, la mort, ou Maut. Et donc, voilà, moi, je me demande s'il ne faut pas chercher de ce point de vue-là, hein, c'est-à-dire des gens qui cherchent tout simplement, dans l'alternance et les cycles des saisons et de la vie elle-même, l'espoir, pour le coup, d'une renaissance, mais qui n'est en fait que... Par la destruction. Par la destruction. Par la destruction. Tout à fait, voilà. Oui. Sans que ça soit contradictoire, mais au contraire, peut-être que je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qu'on voit que ce soit chez les nihilistes de la modernité, de nos époques, mais aussi chez ceux qui ont approché les paradis artificiels de près et qui ont conscience d'être entraînés, mais qui en même temps se résigne à cette fin. Je repense, par exemple, on parlait de Baudelaire hier, mais on retrouve un peu la même chose chez Rimbaud, c'est cette conscience d'être en train finalement de se suicider, d'être en train de vivre une vie qui ne mène qu'à la mort, qu'à la destruction de soi, et en même temps... une conscience que, ben oui, c'est cela. C'est cela que j'embrasse. Hein. C'est une espèce de constat lucide sur ce vers quoi l'ivresse ou la drogue, ce à quoi l'ivresse ou la drogue conduit. Et dans laquelle on dit, ben oui, j'ai embrassé la mort, j'ai embrassé le mensonge. Oui. Mais c'est vrai qu'on pense à Heidegger, n'est-ce pas, qui, dans la philosophie grecque, préférait cette appellation de le brotos, hein, le mortel. Oui. C'est-à-dire que le mortel, qui est même une synecdoque, enfin une appellation de l'homme en général, en quelque sorte revenu à sa vérité,
ultime, il est le mortel. Justement, c'est-à-dire celui qui peut donner sens à sa vie par la création de ses propres valeurs, justement parce qu'elles vont être anéanties par le destin. Et qu'on trouve chez Heidegger cette manière de se définir comme un être pour la mort. Oui, oui, tout à fait. Et là, il y a quand même cette conscience de la raison, cette ultime lucidité qui est la lucidité. Oui, je sais que je me détruis. Mais je pense que nous sommes en plein dans ce que de Lubac appelait le drame de l'humanisme athée. C'est-à-dire cette exaltation de l'humain, mais sans espérance, justement. Et c'est tout à fait extraordinaire de voir que c'est anticipé par cette alliance avec la mort. C'est peut-être là qu'il faut chercher. C'est-à-dire, nous avons fait alliance, c'est-à-dire nous avons scellé notre communauté de destin. Parce que c'est ça, faire alliance, en définitive. Oui, c'est ça. C'est sceller une destinée commune. Lorsque Dieu fait alliance avec son peuple, ça veut dire qu'il s'engage à l'acheminer vers la vie éternelle. Eh bien, nous avons fait alliance avec la mort, ça veut dire que nous avons scellé que notre destinée serait la mort. Peut-être pouvons-nous passer à la partie suivante de ce texte. Donc, la réponse de Dieu à ce pacte. La réponse de Dieu à ce pacte. « Je jette au fondement de Sion une pierre précieuse, choisie, angulaire, glorieuse, et celui qui se confie en elle ne sera pas confondu. Et je ferai de la justice votre espérance. » Alors voici donc cette réponse très, très ferme de Dieu et en même temps un peu déroutante. Qu'est-ce que l'on peut en dire ? Alors, je remarque une chose assez paradoxale quand on y songe, c'est que qui parle de pierre angulaire, regardez les belles voûtes effondrées de Notre-Dame de Paris, en tout cas la pierre angulaire c'est la clé de voûte. C'est-à-dire celle qui est la plus haute. Par définition, c'est celle à la croisée des ogives, celle qui tient tout, mais elle tient par en haut. Et c'est ça qui semble être le ressort un peu paradoxal de cet oracle, à mon avis. Parce que, oui. Non, non. Je pense que c'est là qu'il y a vraiment, c'est là qu'il y a que nous sommes en train de rentrer en quelque sorte dans le surnaturel, hein, avec cette image qui est audacieuse quand on y songe. Parce que le prophète Isaïe est assez familier de comparer l'espérance avec l'adhésion à un fondement stable. Vous voyez par exemple. Chapitre 30, verset 15. « Votre salut est dans la conversion et le repos, votre force est dans le calme et la confiance. » Ou alors, au chapitre 7, dans les oracles de l'Emmanuel, verset 9, « Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. » Là, il y a un jeu de mots en hébreu sur une racine déclinée sous diverses formes et qui signifie la stabilité, la fermeté, l'ancrage profond, comme un piquet de tente qui permet à la tente de résister à la tempête, au souffle du désert. Et de sorte que la foi, l'espérance, d'après Isaïe, nous est présentée comme ce qui est le plus ferme et le plus stable. Donc on pense nécessairement à ce qui est sous le sol, à ce qui est profondément ancré. Mais justement, c'est là où l'image s'inverse, c'est que la pierre angulaire, c'est la plus haute. C'est-à-dire qu'il est en train de nous dire que cette espérance théologale, cette espérance en Dieu, c'est être tenu par en haut, et pas, justement, de se confier à la solidité des fondations matérielles, en quelque sorte. Et c'est là où il y a quelque chose d'extrêmement audacieux et très parlant comme image. Vous voyez, parce que, justement, Isaïe s'oppose à des gens qui ne cessent de, et c'est leur mission d'ailleurs, mais de manigancer des plans, des alliances diplomatiques avec des puissances étrangères pour résister à des adversaires. Bon. Et puis en fait, Isaïe leur dit, non, mais confiez-vous
d'abord en Dieu, et ayez votre fondement en haut, et non pas simplement dans vos propres forces. Ceci rappelle quand même, on a le même type d'image chez saint Paul, avec l'image de l'ancre, qui, normalement, dans les bateaux normaux, elle tient ferme parce qu'on la jette vers le bas, et saint Paul, lui, au contraire, parle d'une ancre, mais qui serait accrochée au ciel. Voilà. On trouve son accroche par le ciel. Hein. C'est exactement, je pense, la même image. Le même type de renversement d'image, ou en tout cas, l'image se prête à cette double interprétation. Et du reste, alors, si on revient à l'image de la pierre, l'image de la pierre elle-même, elle est appelée à une grande fortune dans la tradition biblique et chrétienne surtout. Le Christ, c'est la pierre angulaire, c'est la pierre rejetée par les hommes, mais qui est en fait celle que Dieu avait choisie, donc cette pierre donc précieuse à cause de ce qu'elle va apporter. Choisie, c'est-à-dire qu'elle n'est pas simplement importée de manière arbitraire, mais elle a été vraiment mise là à dessein, angulaire qui tient les choses et glorieuse dans laquelle Dieu va montrer justement sa réponse, me semble-t-il. Mais est-ce qu'on ne dit pas que les fondements de l'Église, ce sont les apôtres ? Alors, oui. Oui, là-dessus, saint Thomas a un très bon petit commentaire à plusieurs endroits en réalité, mais par exemple, dans la première épître aux Corinthiens, où il dit, en fait, il y a deux types de fondements. Il y a, si on prend le fondement comme étant ce qui est à la base d'un édifice. Là, on peut se dire, par exemple, pour l'Église, la base, ce sont les apôtres, parce que nous avons reçu notre foi des apôtres, nous avons été plongés dans le baptême par la succession apostolique, par les apôtres qui nous ont transmis la foi. Mais les apôtres eux-mêmes se reposaient sur un autre. Et donc eux-mêmes, les apôtres, ils ont un fondement sur lequel ils sont fondement. Par leur foi et leur charité, ils se reposaient sur le Christ qui, lui, ne repose pas sur autre chose. Donc, lui est le véritable fondement sous le fondement. Et Thomas, en fait, dans ces images-là, ce que Thomas aime bien reprendre, c'est le fondement sous le fondement. Hein? C'est la pierre très ferme, très solide, qui en elle-même offre une telle stabilité que tout le reste peut tenir. Dans son commentaire sur Matthieu, saint Thomas dit explicitement... Quand Dieu dit dans Matthieu, tu es pierre et sur cette pierre je fonde mon église, Jésus donne à Pierre deux choses. Il lui donne d'abord son nom, tu es pierre, et ensuite il lui donne son pouvoir de cette fondation de l'église. Donc ça vient du Christ, oui. Voilà. Donc si on revient un peu à notre oracle, moi il me semble qu'il y a quelque chose de paradoxal parce que. On a vu la course de ceux qui sont possédés par les vains espoirs. Et cette course, on voit que non seulement elle affecte les élites d'Israël, mais aussi qu'elle est, le lot commun des sociétés lorsqu'elles se détachent de la loi divine. Et on pourrait se dire, et on voit d'ailleurs le châtiment qui vient, c'est un châtiment qui est terrible. Et on pourrait se dire, oui, bon, est-ce que Dieu quelle est la réponse de Dieu? Et on s'attend à une réponse qui est du même ordre, qui est à la mesure cosmique du drame qui est vécu. Et de manière très curieuse, Isaïe pointe du doigt. Non pas un grand événement de restauration, mais plutôt un événement finalement assez réduit, mais décisif, qui va être le fait de poser une pierre. C'est-à-dire là où tous les vains espoirs n'ont,
ne s'appuie sur rien. L'homme s'appuie sur des choses qui passent, sur des choses qui s'effondrent dès qu'il s'appuie dessus. La seule chose qu'il suffit pour Dieu, pour rétablir l'homme sur une base stable, de lui fournir une pierre de départ qui va être ce sur quoi il va pouvoir s'appuyer. Et là, à ce moment-là, si l'homme retrouve un lieu sur lequel s'appuyer, à ce moment-là, l'espérance peut renaître. Est-ce que je me trompe dans cette lecture ? Ça me semble tout à fait judicieux, et je pense que c'est ce que veut dire notre Seigneur lui-même. Puisque dans une controverse avec les pharisiens, il dit « la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue pierre d'angle ». C'est donc une citation du psaume, le psaume 117. Et ce psaume était déjà compris à l'époque du Christ comme désignant le Messie, pierre de fondation du temple nouveau qui est l'Église du Seigneur. Et c'est vrai que on sent bien que l'enjeu en fait de l'œuvre du salut, c'est de recréer cette maison de Dieu dans laquelle tous peuvent trouver leur place. Et pour ça, il faut d'abord poser la pierre de fondation, et c'est ça qui tient l'ensemble. C'est en effet, il y a quelque chose de sublime, puisque le sublime procède de la disproportion entre les moyens et la fin. Eh bien, là, il y a du sublime, puisque c'est juste un tout petit caillou, en quelque sorte, qui va tenir toute la maison. Si le fondement est solide, et lui ne risque pas de s'effondrer, en fait, on peut bâtir tout le reste dessus. Le monde peut être rétabli, le monde peut être restauré, ou en tout cas réorienté dans l'espérance, dès lors qu'on a un appui ferme. Voilà. Avec ce paradoxe, encore une fois, que ici, la pierre d'angle, elle est présentée comme céleste. C'est là où on entre vraiment dans le mystère aussi. C'est ça. Cette pierre, en fait, ne peut pas venir du monde. Voilà. Si elle venait du monde, elle aurait la fragilité de toutes les choses de ce monde. Voilà, ouais. Il faut que cette pierre soit posée par Dieu au fondement, mais au fondement, en réalité, d'une manière. Un fondement qui se fait par le haut, finalement. Eh bien, nous avons quand même presque trouver la matrice de l'espérance, en tout cas ce que signifie l'espérance dans ce texte. Tout ce que nous avons dit, ou presque, sur l'espérance dans Isaïe, il venait du texte grec. C'est étonnant, puisqu'il y a quelques discrètes allusions dans l'hébreu, mais la plupart, c'est vraiment le grec qui les a introduites ou développées. Là, c'est étonnant, parce que ça pointe d'ailleurs vers une lecture messianique, qui se creuse, qui se cherche à travers les différentes relectures du prophète Isaïe dans l'Antiquité. Entre le prophète qui a d'abord annoncé cette espérance, et puis du coup comment cette espérance a travaillé le peuple, et les traducteurs qui du coup actualisent cette espérance en l'introduisant là même où elle ne figurait pas dans le texte hébraïque. Tout ça pour arriver jusqu'à la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, qui est devenue pierre d'angle. Le Christ. Qui est le Christ. Oui. Et donc, en fait, ce texte, en fait, nous décrit la manière, d'un côté, dont l'homme perd l'espérance, il se détourne de ce pourquoi il est fait, de cette grandeur, de cette joie d'être irrigué par la sagesse divine, il abdique de sa raison, et en même temps, la réponse de Dieu, qui va être, non pas de le restaurer comme ça d'un coup, mais de lui fournir un nouvel appui, qui va être sur lequel il va pouvoir appuyer sa vie et dans lequel il va pouvoir retrouver l'espérance qui conduit au ciel, hein, qui redonne cet accès au ciel. Et donc on voit en fait comment l'espérance repose sur la foi. Hein. Le retour de l'espérance, lorsque dans les détresses, dans les périodes où tout paraît s'effondrer autour de nous, le retour de l'espérance, c'est lorsque on se remet dans l'acte de foi, on se repose sur le Christ qui, lui, apporte un élément ferme sur lequel s'appuyer. Tout chancelle, mais le Christ, lui, est ferme, et s'appuyer sur le Christ, à ce moment-là, redonne la capacité à maîtriser sa vie, à diriger sa vie. S'appuyer sur le Christ dans la durée. Et là, ça me semble un élément important, malgré cette prédilection du grec pour l'espoir. Jérôme
met en évidence que le texte hébreu, Dieu envoie cette pierre, celui qui se confie en elle, dit le texte grec, ne chancellera pas. Le texte hébreu, c'est celui qui se confie dans cette pierre, qui met toute sa fermeté dans cette pierre qu'est le Christ, eh bien, ne se hâtera pas, ne piétinera pas en attendant quelque chose qui ne vient pas. Donc il y a une forme de patience, de durée, qu'il y a dans le texte hébreu, liée à cette annonce de la pierre qui vient. Et ça, du coup, c'est un élément clé de l'espérance aussi, dans la durée. Mais du reste, cet élément clé, il vient de ce que l'espérance doit irriguer toute la vie. Voilà. C'est-à-dire c'est elle qui fait le lien entre tous les actes du quotidien, puisqu'on sait vers quoi on va. Donc là, c'est le fil qui rassemble les perles, me semble-t-il. Mais cela souligne aussi un autre aspect qui est, mais sur lequel je pense qu'on a, d'autres textes nous permettront d'y revenir, cette dimension d'attente qu'il y a dans l'espérance. Toute espérance possède en elle-même une attente. Mes frères, merci. Je pense qu'on a été instruits merveilleusement par ce texte et nous nous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle sonnerie pour espérer. Adiutorium nostrum in nomine Domini qui fecit caelum et terram.